et arriver avec oxygène. Sotra tokoa tompo fa tonga ny fotoana hitoriana ny teninao ankehitriny. Teninao ilay fahamarinana, ny teninao ilay manova ny fiainanay ary ny teninao zavatra roa lela manamboatra anay hatrany hatrany ihany koa. Mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Chers frères et sœurs, l'enseignement d'aujourd'hui est tiré du Luc chapitre 24, versets 13 à 35 que nous avons lu tout à l'heure. Notre récit du jour se passe encore le jour de la résurrection de Jésus, le jour de Pâques. Plus précisément, ceci se passe entre l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine le matin de Pâques et le soir où il est apparu au milieu de ses disciples en disant « La paix soit avec vous ». En fait, ça se passe entre la prédication de Pâques que nous avons fait et la prédication que nous avons fait dimanche dernier. Cette histoire se passe entre les deux. Jésus apparaît à deux personnes sur le chemin d'Emmaüs. Emmaüs se trouve à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, soit à peu près 2 heures de marche. Et ici, dans ce texte, je préfère dire deux personnes, ou plutôt deux disciples, car ni la version grecque du Nouveau Testament, ni la Bible Second, en français, ne mentionne si c'est vraiment deux hommes ou un couple, ces personnes-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans la Bible malgache, on dit « roualaki », deux hommes. Mais en gros, en fait, on ne sait pas exactement. Il y a certains pandits qui ont pas épousé. Ça n'est pas Laza, fa couple à Israël. Ça, c'est un Laza, voilà Israël. Mais vous allez voir pourquoi, en fait, ce n'est pas mentionné. Bref, ce qu'il faut savoir ici, c'est quels sont les sentiments de ces deux personnes. Découragement, doute, il y a la peur aussi, voire même l'humiliation. Pourquoi? Parce que celui qu'ils croyaient être le Messie, le Sauveur, est mort suspendu sur une croix. Et ces deux personnes-là ne font pas partie des 12 apôtres, en fait. L'un d'eux s'appelle Cléophas. Le deuxième, on ne connaît pas son nom. Les Écritures ne le mentionnent pas. Et on va l'appeler, celui-là, on va l'appeler le disciple anonyme. Le fait que l'un de ces deux personnes soit anonyme s'apparente à une invitation de Luc pour ses lecteurs à s'identifier à celui-ci. Car je pense que vous aussi, tout comme moi, que beaucoup parmi nous auraient agi comme eux face à une telle situation. Ici, les deux disciples s'entretiennent de tout ce qui s'était passé. Ils ont besoin de parler des événements pour dire de leur peine. Et pendant ce moment-là, Jésus est venu, en fait. Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Et ces deux-là, les deux n'ont pu reconnaître Jésus, comme il est écrit ici, car leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
nous tazonina ny mason' izy ireo no azonina tsy hahafantatra ny tompo. Chers frères et sœurs, l'erreur que nous commettons souvent quand on veut réconforter quelqu'un ou aider quelqu'un est de vouloir toujours monopoliser la parole. Quand on veut réconforter quelqu'un, souvent, on s'impose directement à ces gens-là. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Zawatao, tiatao, zawatao. Mais là, Jésus nous montre le parfait exemple. Ici, il fait route avec eux. Il leur tient compagnie. Il les poussa à parler. Et surtout, il prend la parole, il prend la peine de les écouter. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir écouter les gens. Parce que les gens, quand ils ont des soucis, d'abord, il faut les faire parler. Dieu nous a donné deux oreilles et une seule bouche. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on écoute plus qu'on parle. Ces deux personnes sont tellement habitées par leur peine et leur désespoir et qu'ils ne peuvent imaginer avoir un autre sujet de conversation. Ils sont incapables de comprendre que la mort de Jésus puisse être autre chose qu'un échec. Pour eux, Jésus, il a échoué parce qu'il est mort. Ils espéraient que Jésus est celui qui apporterait la libération d'Israël. Mais sa mort a montré qu'il s'était trompé. Pour eux, ils se sont trompés. Pire encore, durant tout cet événement, Jésus ne s'est même pas défendu. Souvent, nos soucis et nos peines nous enferment dans un circuit fermé et nous empêchent de voir et reconnaître Jésus. La preuve ici, c'est de là où on marchait pendant presque 10 kilomètres, à savoir 2 heures de marche, ils ne l'ont point reconnu. Ils n'ont même pas reconnu Jésus. Refatina, firmi alayel snyulantika matetika, de inno bano natasetika, fadimtika we, nisyante, sosyane. Jésus nous a déjà promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps, à la fin des temps. Adimtika de sosy, adimtika de manche. Fafarina aonde fasairana antsika. En plus, ces deux-là, hein, le texte nous dit que ces deux-là sont déjà au courant de la nouvelle du tombeau vide de Jésus et des anges qui sont apparus aux femmes pour annoncer qu'il est vivant le matin même. Mais cela ne les a pas empêchés de rester dans le désespoir. Chers frères et sœurs, dans ces moments-là, il nous faut ouvrir nos cœurs, notre cœur. Il faut mettre notre fierté de côté, parce que ça nous empêche de voir Jésus. Et surtout, il nous faut une aide extérieure. Il y a des moments, il faut savoir appeler à l'aide à l'extérieur, pour nous sortir d'une impasse. Ici, l'aide extérieure est Jésus. Mais ça peut être quelqu'un aussi, d'autres personnes que Dieu met sur notre chemin. Il faut savoir les accepter ces aides-là. Pour certaines personnes, avoir recours à Dieu est une évidence. Alors que pour d'autres, leurs yeux sont empêchés de le voir par manque de foi et surtout par l'orgueil ou tout simplement ils limitent Dieu
dans leur logique humaine et leur volonté. Ici, il y a un rêve, mais 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 il y a un rêve. Si tu as un rêve, tu as un rêve, sans-tu. Dieu est tout-puissant. On ne peut pas enfermer Dieu dans notre logique humaine. Il nous faut accepter ça pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. D'ailleurs, le verset 25, hein, de notre lecture du jour fait vraiment réfléchir. Pourquoi? Parce que ici, Jésus a dit, en français, il l'a dit, aux hommes sans intelligence. Il y a même d'autres versets de la Bible, d'autres versions de la Bible plutôt, qui disent carrément que vous êtes stupides. Comme votre cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Riadala. Si vous savez na katsumi, vous allez tomber dans un pan mal. Là, le propos de Jésus, il est dur. Il est dur, mais sa réaction est compréhensible. Pourquoi? Parce que Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Des femmes ont témoigné du tombeau vide. Des anges sont apparus. Et à l'image de ces deux pèlerins d'Emmaüs, on doute toujours, nous doutons toujours. Et là, dans ce texte d'aujourd'hui, Jésus leur fait une véritable étude des Saintes Écritures en affirmant que la gloire du Christ passe par ses souffrances, par les souffrances de Jésus. La croix n'est pas l'échec du Christ, mais le point ultime de sa révélation. D'ailleurs, si vous lisez l'évangile de Jean dit à plusieurs reprises que la croix est la glorification de Jésus. Jésus ne s'impose pas dans notre vie. Et Jésus ne nous impose rien. Il est tout simplement avec nous jusqu'à la fin des temps. Et c'est à nous d'ouvrir nos cœurs, de le laisser prendre le contrôle de notre vie et de nous laisser transformer par ses paroles. Ane bukne apokalipsi de mlaze indwa mandunduno mbaravarana uzisi. Efa mandunduno mbaravarana funao Jesosy amin'izao fotoana izao. Anjaranao no mampiditra azy, mamono varavarana funao idirany tompo. Jésus est en train de frapper à la porte de votre cœur. C'est à vous de le laisser entrer. Ne le laissez pas entrer tout simplement dans le salon où si tout est bien rangé, mais laissez-le entrer dans toute votre maison. Pour arranger avec vous tout ce qui est désordre, tout ce qui est peine, souffrance dans notre vie. Parce que nous, les humains, en fait, quand on reçoit quelqu'un à la maison, on les fait juste entrer dans le salon où c'est bien rangé. Hein. Dans les autres chambres, on ferme et on cache tous nos désordres là-bas. Mais Jésus, il veut entrer dans toute notre maison, dans toute notre vie. Il veut tout ranger avec nous. Il faut qu'on le laisse faire. Quand on marche avec Jésus, chers frères et sœurs, le chemin est moins long. Les fardeaux sont plus légers et le cœur est en paix. À proximité du village des deux disciples, Jésus parut vouloir aller plus loin. En fait, Jésus veut toujours aller plus loin avec nous. Souvent, c'est nous qui l'imitons. Ici, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ses compagnons de route le pressèrent de rester avec eux.
Et quand Jésus est resté avec eux, je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses avec Jésus. Et ils ont le sentiment d'avoir beaucoup à apprendre encore avec lui. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Jésus de rester avec eux. Ils l'ont invité à rester chez eux. Il dit, je cite ce qui est écrit, il dit, reste avec nous car le soir approche. Et ils ont été richement récompensés de cette hospitalité. Moi, je trouve ces mots de Jésus, les mots de ces deux disciples qui disent, reste avec moi. Je trouve ces mots magnifiques car ceci peut devenir une prière, en fait, que nous adressons à Jésus. Quand les problèmes, quand les soucis de la vie, le doute, le COVID-19, la peur nous accable, invitons tout simplement Jésus à rester avec nous et faites le chemin avec lui. Il ne va jamais nous repousser. Nous invitons juste Jésus à entrer dans notre cœur, dans notre vie. Ici, Jésus, après avoir marché avec ses compagnons de route, et avoir interprété les Écritures, il va se révéler à eux. Mais cette fois-ci, il va se révéler non plus avec la parole, mais avec les signes, par les signes. Il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et leur donna. Si vous regardez bien les phrases que Jésus a prononcées ici, les quatre verbes utilisés par Jésus, ici se retrouvent dans le récit de la multiplication des pains. Vous le trouverez ce récit-là au Luc chapitre 9, verset 16. Et à une nuance près, dans l'institution de la Sainte Cène. Est-ce que c'est à ce moment-là que les disciples vont reconnaître Jésus? Est-ce à ce moment-là qu'ils vont voir et reconnaître ce qu'ils ont devant les yeux? Oui, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont devant eux et avec eux depuis tout ce temps-là. Le Seigneur Jésus lui-même. On ne sait pas comment ils ont pu le reconnaître à ce moment-là, car ces deux-là ne font pas partie des 12, hein, des 12 apôtres de Jésus. Ils n'étaient pas là lors du dernier repas de Jésus, le jeudi saint. Peut-être faisaient-ils partie des gens présents lors de la multiplication des pains, ou peut-être avait-il vu juste la marque des clous dans les mains de Jésus lorsqu'il rompit le pain? En tout cas, une chose est sûre, c'est par le signe de la fraction de pain que leurs yeux se sont ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les paroles de Jésus et une vraie communion avec lui, ne nous laisserons jamais indemnes. Car ceci transformera notre vie. Ils avaient le Seigneur devant eux. Ils avaient le Seigneur Jésus ressuscité lui-même comme compagnon de route et enseignant.
Jésus leur apporte ce qu'ils cherchaient, ce que nous cherchons tous aussi, comme ces deux-là. Jésus apporte un sens à leur histoire. Maintenant, c'est à eux de prendre leur responsabilité de témoin. C'est ce que les deux ont fait. Hein. Ils sont retournés à Jérusalem raconter leur histoire. Ils ont quitté Jérusalem tristes. Mais là, ils ont quitté Jérusalem tristes et déçus. Mais maintenant, ils y retournaient dans la joie, avec une réelle compréhension de leur histoire. Ce même thème, nous le retrouvons dans l'évangile de Jean aussi. Lorsque Marie-Madeleine, ou Marie de Magdala, reconnaît le ressuscité, elle veut le toucher, mais Jésus refuse, qu'elle le touche. Mais là, dans notre récit du jour, au lieu de refuser, il disparaît. En gros, en fait, si vous voulez, ça veut dire qu'il les renvoie. Là, Jésus les renvoie comme il nous renvoie devant notre responsabilité de témoin. Il a dit, va vers mes frères et dis-leur. John, Tukfaropoulo, Andine Fafiton de Fulmisansan. Là, le Seigneur nous dit d'arrêter de tourner en rond, chers frères et sœurs. Jésus nous demande d'accomplir notre mission de témoin de l'Évangile. Pourquoi? Car tout simplement, la foi n'est pas une question de savoir, mais de témoignage. C'est par des témoins que la foi se transmet. Ratim Djurva Vumbel Lamni, Funouvenova, Tianova Funoul Lamit. C'est par des témoins que la foi se transmet. La résurrection de Jésus nous apporte l'assurance que tout se terminera bien. Et nos épreuves ne sont pas éternelles. Mettons notre foi et notre espérance en Dieu, car ce qui qualifie les chrétiens est la foi et l'espérance. Nous voulons nous en fanatéman, nous m'appuie toujours à tic, armoire à pandris, nous t'en pandris à tic. Tatararay mo amaranako ny titoriteny ity. Niaraka nandeha teny amin'ny torapasika zany sur une plage de sable. Jésus marchait avec une personne. On va dire encore le disciple anonyme pour que nous puissions vraiment nous projeter dans ce que Jésus veut. Les deux marchaient sur la plage. Il y a deux traces de pas. Il y a une trace de pas, deux traces de pas, en fait, c'est de deux personnes, ça veut dire qu'il y a quatre pieds. Et à un moment, il y avait la tempête, il y avait la pluie, il y avait le cyclone et tout passé. Et à ce moment-là, les traces de pas de l'autre personne disparaissent, il n'y avait plus. qu'une seule trace de pas d'une seule personne dit tout le monde la rayant si ça ne m'était pas mais ni de rien face qu'il des usis les on est pas vite à ça les épreuves sont passées et quand ils se sont arrêtés l'autre personne disait à Jésus mais où étais-tu durant toutes ces épreuves là. Regarde, il n'y a qu'un seul trace de pas. Je t'ai appelé, tu n'étais pas là. Taïsa, fonds-nous, c'est une épreuve. C'est une épreuve.
C'est le fait de tout le tout quand on fout ceci, c'est un tour à passe qui était. Et là, Jésus leur a dit, ce sont mes traces de pas que tu vois sur le sable. Pendant toutes ces épreuves-là, je t'ai porté sur mes bras. Nous avons dit que 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 nous quelle que soit l'épreuve que vous allez affronter, quels que soient les soucis, les problèmes, vous êtes entre les mains de Jésus. Soyez forts, mes frères. Soyez persévérants et soyez toujours courageux. Remettez Jésus au premier place, au premier rang de votre vie. Et vous allez le voir transformé. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.